Salut mec, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Sadio Mané au Real Madrid. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche de notification. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et on est parti pour parler de l'arrivée de Sadio Mané au Real Madrid. Souhaitant se lancer dans un nouveau défi en Espagne, Sadio Mané a attiré l'intérêt du Real Madrid. Le président madrilène Florentino Pérez veut l'aligner aux côtés de Karim Benzema et de Vinicius. La folie des grandeurs s'empare du Real Madrid. Pour se renforcer offensivement, l'écurie madrilène est à la recherche d'options viables en attaque afin de renforcer son armada offensive. Jusqu'ici, Erling Haaland et Kylian Mbappé étaient les cibles privilégiées des merengues, mais de nouvelles cibles émergent. Récemment, Sadio Mané a fait un appel du pied au Real Madrid, ce qui a éveillé l'intérêt du président Florentino Pérez. Le président emblématique du club souhaite saisir cette opportunité pour créer une attaque irrésistible et invincible. Selon les informations de la presse espagnole, Florentino Pérez serait comme un fou depuis qu'il a pris connaissance de l'intérêt grandissant de Sadio Mané. Le Sénégalais est une vieille convoitise du Real Madrid qui pourrait faire de lui l'une de ses nouvelles grandes stars lors du prochain Mercato Estival 2022. L'ailier des Reds de Liverpool serait vu comme une superbe alternative à Mbappé qui vient de prolonger son contrat avec le PSG. L'aligné aux côtés de Karim Benzema et de Vinicius, voici les nouvelles ambitions des merengues. Après avoir conquis son pays, le Sénégal est un continent tout entier, l'Afrique, en remportant la Coupe d'Afrique des Nations, Sadio Mané pourrait se lancer dans un tout nouveau défi à la conquête de l'Espagne. Sadio Mané au Real Madrid s'achauffe de plus en plus. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que d'après toi, l'arrivée de Sadio Mané au Real Madrid est une bonne idée? Ou est-ce que selon toi, l'arrivée de Mané au Real est une très bonne idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche de notification. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut à la prochaine.